Quand j'ai pensé à ma ligne d'accessoires de cuisine, ce que je voulais le plus, c'est des accessoires qui me serviraient dans mon quotidien, qui seraient super fonctionnels. Alors, j'ai envie de cuisiner un carry de poulet avec vous parce qu'il y a plusieurs des accessoires qu'on a inventés qui sont très utiles dans cette recette-là, puis j'aime ça, l'exotisme. Et un carry, la base d'un carry, c'est les épices. C'est ça qui fait vraiment la saveur, le parfum de ce plat-là. Et la meilleure façon d'avoir de bonnes épices pleines de parfums et fraîches, c'est de les moudre soi-même. Alors, on a pensé à un mortier. Mon mortier, je ne le voulais pas trop gros parce qu'il y a toutes sortes de grandeurs de mortier qui servent à différentes choses. Celui-là, je voulais qu'il puisse aller sur n'importe quel comptoir de cuisine et il a deux fonctions. Parce que quand on moue des épices, souvent on en moue un peu plus, puis là, on ne sait pas trop quoi faire avec. Alors, grâce à sa base antidérapante, bien, la base devient aussi un capuchon, un couvercle qui va faire en sorte qu'on peut garder le surplus des épices qu'on va avoir moulues. Dans un carry, je vous disais, c'est vraiment les épices qui font toute la différence. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va moudre ensemble différentes épices. Donc, je vais commencer avec la cannelle. J'ajoute un petit peu de cardamome. Et ça, c'est dur, la cardamome, comme le poivre. À ça, bien, je vais ajouter du clou de girofle. Ça aussi, c'est dur. On commence avec quelques bons coups. Un petit peu de muscade. Mon petit couteau céramique est parfait pour gratter la muscade. Ensuite, je vais ajouter du cumin. La base antidérapante est vraiment utile parce que sinon, le mortier a tendance à se promener partout. Maintenant, je vais finaliser ça avec grains de coriandre et de poivre. Ça sent tellement bon, il n'y a rien de comparable à des épices fraîchement moulues. Bon, mon mélange d'épices est prêt, on va les utiliser tout à l'heure. La deuxième chose qui est vraiment importante dans une cuisine, c'est généralement, puis là c'est quasiment égal, les couteaux et les planches de travail. Moi, ma planche de travail, j'en veux deux dans une cuisine, une en bois et une en plastique. Souvent, on veut mettre notre poulet ou le poisson sur une planche en plastique, ça se lave bien, on peut la désinfecter, la mettre dans le lave-vaisselle. Alors, on en a une cachée dans ma planche de bois, en fait, qui est ici, qu'on peut ressortir facilement, alors qu'on peut mettre sur notre planche. De l'autre côté de la planche de plastique, ce qui est intéressant, c'est la rainure. Souvent, on va trancher une viande, on va pouvoir récupérer les jus de cuisson. Cette planche-là est super aussi parce que souvent, on tranche nos aliments et là, bon, faut les prendre avec nos mains, l'amener dans la casserole. Celle-ci, deux façons différentes de les amener là où on veut, par la planche. Donc, après avoir haché, on peut les mettre sur notre planche et venir les déposer dans notre casserole. Ou encore, parce que sur le côté, il y a des poignées qui ont été creusées pour pouvoir se promener facilement avec la planche. On peut aussi facilement insérer une assiette, hacher nos aliments, les pousser dans l'assiette et encore une fois, les amener à la casserole ou à la poêle. Elle est vraiment utile. Finalement, sa grosseur est parfaite parce qu'on pourrait même la mettre sur la table de la salle à dîner avec des fromages, du raisin. C'est super. L'autre affaire qui est importante dans une cuisine, c'est les couteaux. Je voulais avoir des vrais bons couteaux. Ce qui est intéressant quand on s'achète un couteau, c'est que l'équilibre doit être égal entre le poids de la lame et du manche. Ce qu'on veut, c'est un beau roulis, un mouvement de va-et-vient qui se fait bien. La lame doit travailler à notre place, pas nous autres qui sommes supposés de forcer. Donc, il doit y avoir aussi assez d'espace entre nos jointures et la planche pour pas que nos jointures vraiment frappent sur notre planche à chaque coup. Et la lame, on veut une lame d'acier inoxydable de haute qualité. Celle-là, c'est de l'acier inoxydable de carbone. C'est le mieux qui se fait sur le marché. Avec des bons couteaux et des bonnes planches de travail, c'est déjà un bon pot de fait pour avoir des bonnes recettes. Là, j'ai besoin d'1,5 livre de poulet
que je vais couper en cubes. Parfait. Alors, j'allume le feu et je vais faire dorer mon poulet à feu moyen dans un peu d'huile d'olive. J'ai toujours aimé travailler avec de l'acier inoxydable. Un, parce que c'est très durable. C'est quelque chose qu'on va pouvoir, à la limite, donner à ses enfants un jour. Quand c'est de qualité, ça vous fait une cuisine impeccable. Ma batterie, je la voulais en acier inoxydable, trois plis, donc trois couches de métal qui vont faire en sorte qu'il n'y a pas que le fond qui est épais, les côtés aussi sont très épais et vont vraiment bien répartir la chaleur. Et c'est le fun quand ça attache au fond de la casserole, quand les sucs de viande viennent coller. Étrangement, c'est bien d'avoir de l'anti-adhésif, mais selon les recettes, parfois, c'est ça qu'on a besoin parce qu'on va vouloir déglacer puis aller chercher ce supplément-là de saveur. Donc, quand vous voulez que votre poulet dore comme il faut, on le met dans la poêle et on commence pas à le brasser tout le temps, sinon le jus va sortir et plutôt que de venir dorer, il va juste devenir grisâtre. Ce que j'aime de mes spatules de bois, c'est leur ligne droite ici qui fait en sorte que c'est facile de gratter le fond de la poêle et d'encore une fois, pas travailler pour rien. Je me disais tout le temps, bon, je la mets où? Ça me prenait une petite assiette. Je voulais pas salir mon comptoir. On a pensé une poignée qu'on a dessinée ici qui serait vraiment, à mon sens, quasiment parfaite parce qu'il y a un V qui fait en sorte qu'elle se tient super bien. Elle glisse pas dans la main. On peut, en fait, le manche est assez long pour qu'on puisse l'appuyer contre l'avant-bras. Et en plus de ça, quand on fait des mijotés qui durent un certain temps, on ne veut pas que la chaleur se transmette à notre poignet, on ne veut pas se brûler. Et en plus, je règle le cas de la fameuse spatule de bois que je ne sais pas où mettre. Je peux venir la mettre ici et elle va tenir au-dessus de ma poêle jusqu'à ce que j'en ai besoin encore. À ma recette, ce que je vais ajouter, c'est deux pommes Cortland ou des pommes pelées coupées en cubes. Moi, je suis vraiment fou de mes couteaux de céramique parce que quand on les utilise bien, c'est-à-dire qu'on tranche des choses comme fruits, légumes, poissons, poulets, mais poissons, poulets sans les os ou des légumes ou des fruits qui ne sont pas aussi durs qu'une citrouille, par exemple, la lame va vous durer 10 fois plus longtemps qu'une lame métallique. Quand le poulet commence à être pas mal doré, on va ajouter nos pommes. Et un poivron rouge. Sauter ça un petit peu. On laisse sauter les poivrons avec les pommes et le poulet une minute. Pendant ce temps-là, je vais épipiner et couper en très petits morceaux un piment jalapeno. Je vais mettre le blanc de 4 oignons verts. Et je vais garder le vert pour la décoration. Maintenant, 2 gousses d'ail. Et finalement, une bonne grosse cuillerée à soupe de gingembre frais râpé. Et pour ça, j'ai pensé à toute une gamme de râpes qui sont à la fois ergonomique, parce que la poignée se tient bien dans la main. Les lamelles sont extrêmement tranchantes, c'est de première qualité. Et il y a une base en caoutchouc qui fait que c'est très stable. On peut appuyer la râpe, ça ne bougera pas et ça diminue les risques d'accident. Donc, je veux 1 cuillère à soupe de gingembre pré-râpé.
Faut pas oublier nos épices qu'on a moulues au début de la recette. Ça aussi, une bonne grosse cuillerée à soupe. Et grâce au couvercle du mortier, ben vous allez avoir des épices fraîches la prochaine fois que vous en aurez besoin. Donc, on donne un coup de poing à tout ça. Et on ajoute du lait de coco, une boîte de 14 onces. Ah, j'aime ce son-là. J'aime surtout ce que ça sent. Les épices, le lait de coco. Et là, on laisse mijoter ça doucement une dizaine de minutes. Mais avec la batterie cuisine, on a aussi voulu des couvercles, mais en verre. Moi, j'aime ça quand je peux voir ce qui mijote à l'intérieur. Puis c'est drôle parce que la première minute, en fait, tout ça se couvre de buée. Et ensuite, l'eau va perler sur le couvercle et ça redevient transparent. Bon, j'avais pas besoin du couvercle pour cette recette-là, mais je voulais vous montrer de quoi ça avait l'air. Donc, dans 10 minutes, la recette va être prête. Bon, ben reste à y goûter. La richesse des épices, là. La cuisine indienne, c'est vraiment formidable. Donc ça, c'est prêt. Là, il nous reste juste ou bien le manger tout de suite. Mais ce que j'aime vraiment avec ces plats-là, c'est que ça se congèle super bien. Et parce que nous autres, on a beaucoup de lunch à faire pour les enfants, on s'est dit pourquoi pas penser à des accessoires pour justement se faire des lunchs. Alors, on a fait de la vaisselle qui devienne des contenants. Des contenants qui sont vitrifiés, qui se lavent bien au lave-vaisselle, qui vont au congélateur, que vous pouvez utiliser pour gratiner quelque chose au four sans que ça brise. Ça va au micro-ondes. C'est vraiment des contenants multi-usages qui sont dans les mêmes couleurs que tout le reste qu'on fait. Et ils sont beaux à regarder. On n'est pas gêné de mettre ça même sur la table si on veut. Donc, notre plat qu'on vient de faire, pour moi, c'est un lunch parfait pour le bureau. J'ai mis du riz basmati dans un des plats. Je vais mettre notre plat de carré au poulet avec des pommes sur ça. Et voilà. On va terminer notre plat avec juste un petit peu d'oignon vert haché. Bon, c'est certain que quand je me fais un lunch, je le laisse tiédir avant de le couvrir, mais on voulait aussi avoir des couvercles qui étaient suffisamment bombés pour qu'il y ait beaucoup de choses qui puissent aller dans nos bols. Et ils sont vraiment hermétiques, alors même une soupe dans le sac d'école ou dans notre sac quand on va au bureau, si le bol vire à l'envers, jamais ça va couler. Alors, on le ferme, c'est prêt. Et dernière chose, je m'apporterai des quartiers de lime au bureau juste pour impressionner les amis. Un jet de lime sur ce plat-là. C'est formidable.